Mesdames, Messieurs, très chers internautes, chers étudiants, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Inside UVS. Inside UVS vous est destiné, chers internautes. Ensemble, nous allons partir à la découverte de l'Université virtuelle du Sénégal pour comprendre son fonctionnement. La pandémie de la COVID-19 a révélé au grand jour les énormes possibilités de l'enseignement en ligne, apprendre tout en restant dans son entourage, quel que soit le lieu où l'on se trouve. Telle est la signification du slogan UVS Fonec Fofle. Sous le thème du décryptage de l'UVS, nous recevons pour ce premier numéro M. Hassimou Diallo, étudiant de la promotion 1 et actuel assistant administratif à l'espace numérique ouvert de Sébikotane. Bonjour Hassimou. Bonjour Tidjatou. C'est un réel plaisir de te retrouver à l'ENO de Sébikotane. Tout le plaisir est partagé. Alors, pour une première question, Hassimou, nous sommes tout à fait en 2013. Vous êtes nouveau bachelier, donc c'est une première fois pour vous. Et j'aimerais savoir comment s'était déroulé donc, vos premiers pas à l'UVS. Merci Tidjatou pour votre question. Nos premiers pas à l'UVS n'ont pas été faciles parce que nous avons été orientés dans une université qui existait que par de nous. Nous avons fouillé les sols de Diamniadio à la recherche de l'UVS. On n'arrivait pas à voir un bâtiment de l'UVS, ni à rencontrer un personnel de l'UVS. La seule information que nous avons à l'époque, c'était que l'Université virtuelle du Sénégal allait démarrer ses activités le 1er janvier 2014. Malheureusement, ce qui coïncidait en un jour de fête. Donc, on n'avait pas espoir à démarrer le 1er janvier 2014. Donc, c'était des moments très difficiles. Moi, personnellement, j'avais deux orientations via Campusen. J'étais orienté à l'UGB, à l'UFR CRAC. J'étais orienté aussi à l'UVS. J'avais décidé de rester à l'Université virtuelle du Sénégal. Puisque vous avez décidé de rester à l'UVS, cela veut dire que vous êtes prêt à affronter les choses. Et j'aimerais savoir, donc, par rapport à votre inscription du début jusqu'aux cours transversaux ainsi que l'obtention de vos outils de travail, comment ça s'est déroulé? Bon, c'était déroulé d'une façon très, très difficile, il faut l'avouer. Parce que quand je fais référence aux inscriptions, avant les inscriptions, nous sommes restés du mois d'octobre au mois de février. Et je me souviens de ce soir où j'ai reçu ce SMS venant de l'UVS pour m'inviter à participer à l'amphi de rentrée qui était organisé au sein de la CICES. Est-ce qu'ils avaient la même information? Oui, effectivement, ils avaient la même information. Et on se précipita de se préparer tôt le matin pour aller à la rencontre de l'Université virtuelle du Sénégal. Et c'est vers 9h au mois de février, je me souviens très bien, que les autorités ont commencé à entrer dans la grande salle de la CICES. Et la salle avait fait le plein. C'était extraordinaire. Il y avait tellement de belles discours, il y avait tellement de promesses, il y avait tellement... C'était en fait... Ça nous avait encouragé à rester. C'est l'amphi d'entrée qui nous a encouragé à rester à l'UVS. Maintenant, en ce qui concerne nos inscriptions, nous sommes restés après un mois, 15 jours après l'amphi de rentrée, avant de démarrer les inscriptions. Et rassurez-vous, vous savez où est-ce que nous avons fait nos inscriptions? À la mairie de Guédiawaye. Parce qu'il n'y avait pas de nous. On faisait l'inscription, on nous demandait de rentrer. Une semaine après, on repasse. Parce qu'il n'y avait pas de local, l'UVS n'avait pas de local pour récupérer les attestations d'inscription. Les cartes, on n'en parle pas, on n'avait pas de carte. On n'avait pas de carte. Les outils de travail, on est resté des mois avant d'obtenir des outils de travail. Et à notre plus grande surprise, on a acheté nos outils de travail à 96 000. La connexion, on la paye à 32 000 francs l'année. Donc nous, pour la première année, rien n'était gratuit. On achetait tous nos outils de travail. On se débrouillait pour apprendre quand même, parce qu'on avait envie d'apprendre à l'UVS. Alors, ce qui veut dire qu'il vous a fallu donc beaucoup de détermination, mais surtout comparé à ces années, donc vous soutenez cette évolution. Effectivement, il nous a fallu beaucoup d'abnégation, il faut le dire, beaucoup d'autonomie aussi. Et ça, on l'a obtenu grâce au cours de leadership et de développement personnel. Parce que quand nous sommes restés des mois et des mois, à peu près 8 voire 9 mois sans démarrer des cours, les premiers cours que nous avons démarrés, c'était des cours en leadership et en développement personnel. Et ce n'était pas dans les ENO. Ce qui est extraordinaire. Les cours se sont déroulés dans les EFI, là où on forme les élèves maîtres. Mais c'est à partir de ces cours-là que nous nous sommes formés, que nous nous sommes forgés, que nous savons
cru en nous, que nous avons cru au projet de l'IVS aussi. D'accord. Alors, concernant après l'obtention de vos outils de travail, et comment se passait donc la classe virtuelle? Comment vous arrivez donc à expliquer cela? Oui, en fait, là aussi, c'est une autre surprise que nous avons eue. Parce que nous, ce qu'on s'attendait notamment à faire les cours comme le faisaient les étudiants de l'ISEC, Institut de formation d'enseignement à distance, le e-learning. Parce que nous, l'information qu'on avait, c'est-à-dire que nous, on se rend à l'ENO. Quand on se rend à l'ENO, soit que le prof, il est en France, il est au Sénégal, il est au siège, et on va suivre le cours en direct. C'était le format qu'on nous avait fait rêver. Mais à notre plus grande surprise, quand on nous a donné nos outils de travail, on nous a donné des paramètres d'accès, on nous a enrôlés sur une plateforme. Et bon, là, on est entré sur la plateforme, on a vu des cours en format PDF. On était très surpris parce qu'on ne s'attendait pas. On se questionnait comment nous allons faire pour réussir. Bon, comme on le dit, hein, il faut s'adapter. Et on a fini par s'adapter en créant des groupes de travail, en consultant certains profs, en assistant à des cours magistraux dans les universités physiques. D'ailleurs, même, on l'a fait rien que parce qu'on avait envie d'apprendre. D'accord. Alors, bon, j'allais vous poser la question, votre réaction face à ce nouveau modèle que vous avez su en tant que jeune? Oui, bon, en fait, on n'était pas carrément prêt hein, par rapport à ce modèle, parce que donner quelqu'un un cours PDF comme ça, sans accompagnant, c'est par la suite qu'on nous a fait comprendre qu'il y aura des tuteurs. Bon, c'est là que nous sommes entrés en contact avec des tuteurs, on a commencé des séances de tutorat et on a fini par comprendre, oui, c'était possible de réussir à l'IVS. C'était possible. Bon, bien vrai que c'était très difficile, quasi difficile même, je peux dire. Mais au fur et à mesure, on a exploité les cours, on a vu que les cours étaient des cours de qualité comparé aux autres universités aussi. C'est ce qui se faisait, c'est les mêmes cours que nous avons. Mais aussi, il y avait le personnel qui était là, très enthousiaste par rapport à nos doléances. Parce qu'il faut le comprendre ainsi, hein, avant que Kermassar ne puisse exister, nous avons été rattachés à l'ENO de Guédiawaï. Imaginez quelqu'un qui devait quitter Malika pour aller à Guédiawaï, quelqu'un qui devait quitter Rufisque pour aller à Guédiawaï. Et par la suite, on a demandé au premier coordonnateur que nous, les habitants de Rufisque, Kermassar et consorts, on veut avoir un ENO. C'est par la suite que l'ENO de Mbawa a été ouvert. Quand l'ENO de Mbawa a été ouvert, bon, le personnel était très réduit, c'était avec Madame Dat tout simplement. Et au fur et à mesure, il y a Amina qui est venue pour être assistante là-bas. Et comme ça, il y avait à peu près 200 étudiants pour la première promotion qui fréquentaient l'ENO. Et là, on a commencé à nous familiariser. Et c'est très important aussi de revenir sur la question de changement de filière. Parce que c'est important. Pourquoi je le dis? Parce que nous, quand on a été orientés par Campus Sen, pour certains, ils avaient le bac S. Quand ils ont le bac S, ils se sont retrouvés en sociologie. Bon, comme IVS est trop enthousiaste par rapport aux vœux de ses étudiants, on a mis la pression au coordonnateur. On a dit on veut que cette injustice soit corrigée. Bon, par la suite, l'ancien coordonateur, le docteur Mohamed Mansour Faye, il a accepté. Et c'est là où est née la question des changements de filière. D'accord. Donc, je vais rebondir un peu sur la question des tuteurs. Vous avez parlé d'une part, j'aimerais savoir surtout quelle a été votre relation par rapport aux tuteurs et surtout quel a été leur rôle puisque c'était en début. Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre par le tutorat, les tuteurs, nous avons fini par avoir des relations extrêmement importantes. C'était des relations qui ont dépassé des relations entre étudiants et tuteurs. Ils sont finis par devenir nos grands frères pour certains, d'autres des sœurs. En fait, parce qu'ils étaient là, ils nous guidaient, ils nous orientaient au-delà de l'aspect pédagogique qu'ils jouaient. Parce que le tuteur, son rôle, c'est d'accompagner l'étudiant. Mais à chaque fois, même si on arrivait à perdre espoir, parce qu'il faut le dire, on a traversé des périodes très difficiles, même si on arrivait parfois à perdre un peu d'espoir, ils arrivaient à nous motiver, à nous encourager.
Et moi, j'en ai connu des tuteurs à qui je n'oublierai jamais, jamais leur nom. Je peux citer l'exemple de El Hadj Sall en droit constitutionnel. C'est quelqu'un qui m'a forgé, c'est quelqu'un qui m'a formé. Je peux citer Ismaël Diatta, qui est aujourd'hui un collègue à moi. Je peux citer tant d'autres. Ils sont devenus, pour certains, ils sont devenus des collègues. Mais c'est des gens qui ne manquaient pas de prendre leur téléphone. Je me souviens, il y a un de nos tuteurs en droit qui est à Thiès. C'est un avocat, Maître Nian. Lui, à chaque fois qu'on avait cours, il m'appelait au téléphone. « Hassim, il faut que tu te connectes. » Un jour, je lui ai posé la question. « Mais monsieur, pourquoi à chaque fois vous m'appelez ?» Il dit « Moi, quand je vois un étudiant ambitieux qui a quelque chose en tête, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, je me bats pour qu'il puisse aller à l'avant. » Et c'est comme ça que nous avons fini par échanger des numéros avec les tuteurs. Nous avons eu des relations très étroite avec nos tuteurs. Et je dis, hein, si ce n'était pas les tuteurs aujourd'hui, je pense bien que au-delà de tout ce que les professeurs, tout le sacrifice que font les professeurs, il y aurait beaucoup plus de décrochage. Parce que les tuteurs, c'est des gens qui sacrifient leur temps, leur énergie, leur argent pour les étudiants de l'IVS, en toute sincérité. Donc, j'aimerais vraiment poser, après ces explications, cette question. Quelle a été cette détermination, vraiment? Parce que le début n'a pas été facile, comme vous le dites, avec les tuteurs qui vous ont accompagné. Mais comment ça se passait entre étudiants, comment vous arriviez à vous en sortir? Et là, en fait, c'est-à-dire, on avait envie de parce qu'à un certain moment, il faut le comprendre, nous avons, parce que personnellement, moi, j'ai été ancien délégué. En tant qu'ancien délégué, nous avons eu beaucoup de propositions venant de l'extérieur, surtout du privé. Parce qu'à un certain moment, nous, si on avait décidé de rejoindre le privé, personne ne resterait à l'UVS. On a eu des propositions de bourses entières, des avantages, mais on a fait fi à tout ça. Parce qu'on croyait à ce projet de l'Université virtuelle du Sénégal. Parce qu'en fait, le premier discours que nous avons entendu sur l'UVS, c'était un projet purement africain, purement sénégalais. C'est des Africains qui ont pensé et qui ont conçu le projet. Mais en tant que des gens qui veulent le développement, qui aspirent à ce que l'Afrique soit indépendante, soit autonome, non, on ne pouvait pas se fier de ce projet-là. Nous, on a cru à ce projet parce qu'on a eu des gens qui nous ont épaulés, qui nous ont motivés, qui nous ont orientés à chaque fois, qui ont donné de tout leur possible pour que les étudiants de l'UVS puissent être à l'aise. Donc, c'est ce qui a été l'un des facteurs qui a motivé le fait que nous sommes restés à l'UVS, parce qu'on croyait au projet, parce qu'aussi on voulait du changement. Parce que moi, la chose qui m'a beaucoup plus motivé, c'est-à-dire, je me disais, pourquoi pas découvrir ce qui se fait avec le numérique. Parce que moi, j'ai toujours eu l'amour de la technologie depuis ma classe de seconde. J'ai toujours eu l'amour de la technologie et en discutant avec des amis, ils se moquaient parfois de moi hein, en me disant « Non, vous êtes sacrifié tout ça. » Mais j'ai une petite anecdote que je donne à chaque fois aux étudiants. J'avais un ami, parce que je fréquentais l'université Cheikh Anta Diop. Il me disait le plus souvent « Ah, vous êtes sacrifié, boy. Vous êtes là actuellement pendant un an, vous n'arrivez pas à faire cours. » La réponse que j'avais, c'est quoi? Tu es étudiant, je suis étudiant. Je vais avoir mes diplômes. Tu vois, je te souhaite d'avoir des diplômes, mais je vais m'insérer avant toi. Pourquoi je le disais? Parce que j'avais cette certitude que le numérique me donnait autant d'opportunités possibles. Alors que lui, il était enfermé pendant 24 heures autour d'une salle, il est là. Moi, j'étais beaucoup plus flexible. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des projets personnels. Donc, parce que quand je parle d'insertion professionnelle, ce n'est pas seulement le poste de recrutement, ça pouvait être de l'auto-emploi, ainsi de suite, parce que j'étais dans ça aussi, en quelque sorte. Donc là, malheureusement, lui, il a cartouché en deuxième année. Moi, j'ai continué mon parcours. Ce n'est pas le souhait que j'avais pour lui, mais il a fini par comprendre, parce qu'il est revenu pour s'inscrire à l'UVS, en tant que dans la formation continue. Donc là, on peut dire que vraiment, c'est une confirmation de cette possibilité des étudiants de l'UVS de voir le monde de façon plus large, surtout de pouvoir très tôt penser à l'insertion professionnelle. Donc, c'est ce qui explique d'ailleurs cette prochaine question. Vous avez eu la chance de vous insérer. Aujourd'hui, vous êtes collègue, même avec vos tuteurs. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça vous fait? Et aussi, vous êtes actuellement à Sébi Cotane
et nous faire une petite présentation de cet énoncé. Je pense que je vais répondre en deux parties. Et pour la première partie, moi, j'ai pas, en toute sincérité, hein, j'ai pas attendu l'IVS pour l'insertion. C'est en licence 2 que j'ai commencé à affronter le marché de l'emploi. Non seulement j'avais commencé par l'entrepreneuriat avec une petite business avec des amis. Par la suite, quand j'ai compris qu'il fallait sortir de nous, moi c'est le message que j'ai compris. Parce que quand on me dit c'est de l'enseignement à distance, moi j'ai compris que je ne dois pas demeurer à l'ENO jusqu'au master. J'ai dit non, il faut que je sorte de l'ENO. J'ai pris une semaine, j'ai fait des dépôts et j'ai fait un stage au niveau de la ville de Pékin. Et je vous assure, j'étais pas rémunéré pendant 3 mois. Je me payais le transport, je me payais à manger, je me payais à boire pendant 3 mois. Parce que j'avais envie d'avoir une expérience professionnelle. Et quand je suis sorti de la ville de Pékin, parce que j'étais dans la direction des ressources humaines, division gestion professionnelle du personnel, quand je suis sorti de là, il y a d'autres opportunités qui sont sorties. Donc j'ai affronté réellement le marché de l'emploi. J'ai affronté le marché de l'emploi parce que je n'avais pas mis le profil argent en avant, mais j'avais mis le profil expérience professionnelle. Par la suite aussi, j'ai eu des stages professionnels à l'IVS avant de rejoindre le NOD de Sébihotan. Donc aujourd'hui, moi, ce que je dirais, c'est les étudiants, ils ne doivent pas attendre d'être diplômés pour affronter le marché de l'emploi. En fait, le marché de l'emploi, aujourd'hui, c'est un marché très saturé. C'est dès la première année que l'étudiant doit commencer à avoir des projets d'insertion professionnelle et de mettre en place un plan de carrière bien déterminé. C'est important pour tout jeune d'avoir un plan de carrière. Maintenant, je vais prendre mon temps pour la présentation de l'ENOC de Hotan, si vous me le permettez. C'est important. En fait, l'ENOC de Hotan, c'est un ENO très particulier. Très particulier, je vais le dire et je vais le répéter. L'ENO de Sébihotan a été ouvert le 18 octobre 2018 sur la volonté du maire de la commune de Sébihotan, M. Abdoulaye Do, qui a fait toutes les démarches. Je pense que c'est le seul ENO où le maire a fait toutes les démarches pour que l'ENO soit ouvert. Mais aussi, il faut remercier le coordonnateur Moussa Lo, qui a vu les énergies dégagées par le maire. Il n'a pas hésité à ouvrir l'ENO de Sébihotan avec les difficultés qu'il y avait au début. Donc, en 2018, l'ENO de Sébihotan a été ouvert. Pour le personnel administratif, c'était 2 personnes. Il y avait moi en tant qu'assistant administratif. Il y avait aussi M. Semben, à qui l'ENO de Sébihotan doit beaucoup, 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 parce que c'est quelqu'un qui a mis l'ENO de Sébihotan sur les rails. En fait, c'est lui, il s'est donné à fond. On était 2, on gérait des questions pédagogiques, on gérait des questions techniques, on gérait les questions, tout ça, mais aussi et des étudiants de la promotion 6. Parce que pour la première année, nous avons connu que 322 à peu près étudiants. Mais nous avons très tôt grandi aussi. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1500 étudiants, ce qui montre que l'ENO de Sébihotan, en moins de 3 ans, a grandi. Alors, donc, merci pour cette présentation. Et donc, pour terminer, malheureusement, donc, j'aimerais savoir quel est votre message à l'endroit de ces jeunes qui, vous avez pu l'expliquer du début, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, vous avez su, avec votre détermination, vraiment vous insérer et aussi continuer sur ce même travail-là. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces étudiants, que ce soit promotion 6, 7 ou 8? Bon, le message est, en fait, moi je dirais, ils peuvent se mirer sur nous. Nous, à notre époque, on a tout acheté en quelque sorte. On s'est donné pour notre avenir. Donc, c'est à leur tour aujourd'hui. Les problèmes ne manqueront pas. Il faut le dire. On va vivre avec des problèmes. Maintenant, la différence se fera sur ceux qui arriveront à surmonter ces difficultés-là. L'IVES est une innovation. Il faut qu'ils comprennent ça. C'est un projet. Un projet en cours même, on peut dire. Donc, ils doivent s'armer de courage avant tout d'abord. J'ai l'habitude tout le temps de le dire aux étudiants, même aux étudiants que j'ai eu à accueillir à l'ENO de Kermessar. J'arrive à les dire, croyez à ce projet-là. Et vous n'allez pas regretter. Venez au moins, prenez une année pour voir ce que ça fait. Après, vous allez décider de ce que vous allez faire. Je pense que vous, j'ai à vous intégrer à l'ENO de Kermessar parmi tant d'autres étudiants. Et aujourd'hui, j'ai pas regretté. Parce que quand je vois des étudiants de l'IVS qui sont dans des boîtes, je suis fier de, pour certains, j'ai à les motiver. Et je dis à la promotion 8, je dis à la promotion 7, je dis à la promotion 6, à toutes les promotions de l'IVS, qu'ils doivent s'armer de courage et d'abnégation. Le meilleur reste à venir. J'ai l'habitude de le dire et je le dis. Nous sommes l'avenir et l'avenir commence déjà présent.
Et l'avenir a déjà commencé avec l'IES. Mais les problèmes ne manqueront pas. Il faut qu'ils en soient conscients. Mais il faut aussi s'armer. Je le dis et je le redis. Il faut être discipliné. C'est l'arme fatale pour un étudiant. On peut tout dire, on peut tout faire, mais avec la discipline. Moi, c'est le conseil que j'ai à leur endroit et de les souhaiter plein de succès, qu'ils rayonnent partout. Merci beaucoup. Vraiment, ça a été un très grand honneur pour moi d'être avec toi, Assebi Kotane. Quant à vous, chers internautes, c'était tout pour ce premier numéro. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Hassimiou Diallo. D'ici là, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer sur la cloche afin d'être informé de nos différentes émissions. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans Inside UVS.